Bonjour, dans la continuité de la cuisine d'Elisabeth, aujourd'hui je vous prépare le poulet Gaston Gérard. Ce poulet Gaston Gérard a une histoire et a un historique. Il a été créé par erreur par l'épouse de Gaston Gérard, sénateur maire de Dijon en 1935. Donc ce maire était un gourmet, il aimait les bonnes choses. Son épouse a fait une erreur sur la recette, mais il l'a compensé en ajoutant des bons produits gourmets. Donc, vous allez la découvrir. Alors, je vous présente les ingrédients pour cette recette. Alors, donc, le roi, le poulet, la farine qui servira à enrober le poulet, la crème fraîche, le comté, la moutarde, le sel, le poivre, le vin blanc et l'huile d'olive avec le beurre. Ce plat sera accompagné d'un écrasé de pommes de terre et de carottes glacées. Un délice. Voilà le poulet Gaston Gérard, je vous souhaite très bon appétit.